Main event, Big Daddy Mark, Deshaun Ball. Ça passe vite, ça passe vite. Une chute. Puis en plus, en parlant de chute, il y a Big Mountain, dans le combat. Oh yeah, un des favoris de la foule depuis déjà quelques semaines. Alors, Brandon, le ciel pour ce combat principal. Oh, c'est l'alarme de la purge. Je ne suis pas trop familier avec le travail de Purging Brooks, J.A. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Alors, Purging Brooks, qui était sur le FM Lutte Podcast cette semaine, il a quitté sa ville natale, son pays natal de la France, pour poursuivre un rêve d'être lutteur et de venir au Québec, au Canada, et plonger la lutte de tout ce qu'il aime pas. Mais il va avoir tout un adversaire de taille. Alors, Gabe Dick, qui était victorieux à Mont-Dieu-Saint-Jean samedi passé. 450 livres. Il porte son nom Big Mountain pas mal d'un, Oh okay, que oui, une vraie brute. Alors, est-ce que la rapidité de l'oppresseur Purging Brooks va être capable de tourner Big Mountain en échec? Écoute, J, laisse-moi en douter. Depuis quelques mois, Demandane est très violent dans le ring. Et même si Purging Brooks a envie de purger Demandane, ça me surprendrait un gros 450 livres. Oui, alors, Big Mountain a beaucoup de poids pour prendre la victoire contre Purging Brooks. Alors, on va voir qu'est-ce que ce combat nous réserve. Écoute, j'ai presque peur. J'ai peur que Purging Brooks finisse comme une crêpe. Alors, Purging Brooks, à son quatrième combat de sa carrière. Et déjà un combat principal. Il y a un avenir réservé pour Purging Brooks. Oui, un avenir s'il ne finit pas écrapouti aujourd'hui, J. On va voir, il y a déjà un compte de 10 pour rentrer. Bon, sage décision, tu veux gagner le combat, mon cher. Une roulade pour esquiver à Big Mountain. Purging Brooks qui tente Big Mountain. Big Mountain, tu le défies à l'abdomen. Alors, Big Mountain qui envoie Purging Brooks dans les gommes. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va faire mal, Jay. Oh, un Oklahoma Slam!
Oh, deux oh, fois! Deux fois! As-tu vu ça, Jay? Je pensais que c'était fini. Je crois que Big Mountain étudie Dr. Death Steve Williams. Il lui porte Pierre en heure. On descend de la jambe. Pauvre Brooks. Wow. Purging Brooks est résilient, mais il est dans le trouble en ce moment. Je pense qu'il commence à regretter d'avoir signé pour ce gars-là, mon GM. Le combat n'est pas encore terminé, mais il est mieux de changer de tactique. Oh, Big Mountain qui le prend! Purging Brooks! Oh, très intelligent, va pour les genoux. Gab qui commence à être déstabilisé. Oh, Gab à un genou. Purging Brooks intelligent, connaît ses jointures. Je suis surpris de voir Gab au tapis, mon GA. Qu'est-ce que tu dis? Ben, ça peu importe quelle grosseur que tu as, tes jointures, quand ils font frapper, ils plissent. Ah, Purging Brooks, il vend tard, On peut constater que The Mountain commence à être un petit peu fâché. C'est ce qui arrive dans ce temps-là. Oh, coup dans le dos. Purging Brooks qui travaille le haut du corps. Et une petite corde à linge qui l'apporte au tapis. Va-t-il être capable de capitaliser? Oh, arbitre surveille que si c'est pas un étranglement. Si c'est en dessous de la gorge, c'est un étranglement. Écoute, au début du combat, je pensais vraiment que ça allait être un combat qui se déroulait d'un seul côté. Et étonnamment, je peux te dire, Jay, que je suis vraiment surpris de la performance de Purging Brooks pour l'instant. Eh bien, c'est pas pour rien qu'on a mis dans le combat principal. Nettoile montante nous réserve plusieurs choses. Et Gab qui bloque. Et c'est parti, mesdames, messieurs. Préparez-vous. Merci, bonsoir. Le chest de Purging Brooks est maintenant complètement souillé. Purging Brooks sur la deuxième corde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Gab il prend. Oh, ça va être une powerbomb. Que Purging Brooks peut renverser ça. Envoyé dans les cordes. Wow, quel coup. Purging Brooks fait tomber. Je commence vraiment à dire que Gab a pris vraiment la légende à l'adversaire. Mais c'est dur de savoir comment un adversaire qui a seulement quelques combats qu'on peut seulement compter sur lui-même, justement, nous réserve. La préparation est plus dure dans ces cas-là. Effectivement. C'est pas absolument dit, mon J'ai fait exprès pour juste changer. Ok, je comprends. Mais absolument raison. Deuxième corde. Est-ce qu'il va le tenter pour la troisième corde? Un, c'est bon. Deux, c'est mieux. Trois, c'est fou. Purging Brooks qui perd du temps. Il se limite lui-même. Brandon est mieux d'enforcer la loi. C'est un compte de 5 pour la disqualification. Sidewalk slam. Je croyais que Brooks allait purger la montagne. On peut croire que la montagne a crapouti la purge. Là, il faut savoir. Big Mountain, c'est un gros gaillard. Le cardio n'est pas sa force. Est-ce que Purging Brooks est capable de capitaliser là-dessus?
Et Purging Brook, tu demandes si Big Mountain en veut encore. Et voilà. Purging Brook qui est maintenant une crêpe. Avalanche dans le coin. Big Mountain manque aucunement de frapper Purging Brook de toute sa force. Et qu'est-ce que Big Mountain réserve pour Purging Brooks? Bonsoir. Il est parti. C'est-tu un Mountain Trigger qu'on appelle ça? Alors, la montagne doit bientôt finir ça. Splash! Un deux! Honnêtement, le combat le plus long de la soirée jusqu'à date. Est-ce que tu crois que Purging Brooks aime la douleur pour avoir kick-out de ce Super Splash? Je ne sais pas, mais honnêtement, sa poitrine est complètement rouge, alors il est mieux de se dépêcher. Est-ce que ça va être le combat de la montagne? Encore une fois, une athémie directement sortie de la montagne. Big Mountain doit terminer ceci le plus rapidement possible pour garder le momentum dans sa faveur. Alors, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Big Mountain, Non, pas vrai. Big Mountain, Purging Brooks qui ramasse Big Mountain avec plusieurs kicks à l'abdomen. Oh! Big Mountain qui attrape son pied! Oh! Il a fait un pire plateau! Très ingénieux de la part de la montagne. La montagne est intelligente. Si ça continue comme ça, Purging Brooks ne partira pas d'ici debout. Alors, où est-ce que Purging Brooks s'en va? Il y a un compte de 10 pour rentrer dans la reine si tu veux gagner. Je crois que Purging Brook veut prendre tout le temps possible pour s'en mettre de ses émotions. On va les partir. Qu'est-ce que la montagne va faire? Montagne qui dit au monde de se tasser. La chaise est décapitée par Big Mountain. Il reste encore 7 comptes avant que le combat soit. Compte de 4. Purging Brooks qui a de la misère avec sa jambe et qui retourne à la reine. Alors regardez, J.A., je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas juste sa jambe qui est défectueuse en ce moment. Qu'est-ce que Purging Brooks fait? Big Mountain est debout! Va-t-il y aller pour le tout, Super kick encore! Brandon qui veut avoir un gagnant définitif. Alors, Big Mountain qui est encore à l'extérieur. Compte de 6. Le dive de suicide qui fait tomber la montagne par terre au milieu de la foule de la FM Lutte. On peut voir que Purging Brooks est très fier de son coup. On n'a pas l'habitude d'avoir Gab dans une telle posture, mon J.A. Qu'est-ce que ça sort? C'est la vitesse de Purging Brooks qui fait toute la différence. Purging Brooks qui monte sur les cornes.
Ford. Ah, c'est strictement, pour, strictement se pour se vanter. Big Mountain, Big Mountain dans la reine. Alors, honnêtement, c'est honnêtement, le plus gros test de cardio que Big Mountain a fait depuis sa jeune carrière. Et peu importe le résultat de ce combat-là, mon GA, ce combat-là va avoir une expérience à nos deux combattants. Alors, Brandon Gavertie, Pershing Brooks. Alors, qu'est-ce que Pershing Brooks va faire? Lui, très habile avec son haute voltige. La foule qui acclame Big Mountain. Big Mountain. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On peut voir que là. Oh mon Dieu! Choke slam sur le bord du ring! Mon doux Seigneur. Big Mountain doit aller chercher Pershing Brooks pour le couvrir. Il est mort. Écoute, Jay, je suis sans mots après cette dernière. Alors, les reculés veulent absolument faire un nom pour eux-mêmes. Et leur évolution aime. Pour l'exposition ce soir. Ben, ça tombe bien, Jay, parce que justement, on est là pour ça. Alors, Kovic cherche quoi faire et qui touche le turnbuckle. Est-ce que Big Mountain s'en va pour sa Vader Bomb? Alors, Pershing Brooks attaque toujours les jambes. Malgré tout, Pershing Brooks a encore du gaz dans lui. Ben non. Est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il va oser? DJ, une powerbomb sur la montagne. Il est mieux de le couvrir. La foule qui acclame la sainte mère de Trinité. Compte de deux seulement. Mais quel combat, Jay. Quel main event ce soir à propulsion volume 1. L'oppresseur doit vraiment aller pour son emergency drop s'il veut finir. C'est sa manœuvre de finition. Et j'ai l'impression que tu m'as entendu. Absolument, Jay. Hey, c'est trademark, c'est Danny Murphy. Sorry. Alors, Pershing Brooks sur le haut. Il s'en va pour l'emergency drop. Perd de temps. Oh my God. Personne n'était au rendez-vous, GA. Comment peux-tu passer à côté d'une montagne, GA? La montagne a roulé. Gabe Kovic a dit montagne bouge et la montagne bougea. Et la foule acclame Gab. Écoute, avec tout ce qui vient de se passer dans les dernières minutes, la décision de ce combat risque de se passer très prochainement. Gabe Kovic qui se prépare. Pershing Brooks qui s'élève beaucoup trop vite. Tombe dans les mains de la montagne. C'est-tu là? Et voilà! Et encore une fois, Gab, il va avec la victoire deux semaines de suite. Incroyable. Big Mountain a beaucoup plus de cardio qu'on pensait. Écoute, après un combat comme ça, il faut se dire une chose. Les champions de la FML doivent garder Gab dans leur meilleure casque. Quand il va se décider à y aller pour le titre, ça va être très dangereux. Alors, bravo à Big Mountain Gabe Kovic sur sa victoire très importante et très démarquante. Et Pershing Brooks qui nous a montré qu'il y a énormément de fortitude intestinale. Bravo aux deux hommes. Quelle performance. Une bonne main d'applaudissement pour Pershing Brooks qui, même dans la défaite, et le fait qu'il boit, se dirige vers la foule alors que Gil Gab célèbre avec ses partisans. Quel combat, mesdames, messieurs.
Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pour Propulsion volume 1. On se voit le 26 novembre pour Propulsion volume 2. Le 7 décembre pour volume 3. Mais samedi prochain à Saint-Hyacinthe, au Loisir-la-Providence. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.